l'heure de l'espoir. Wow.
vraiment content parce que je suis capable d'être avec nous régulièrement. Prêcher la parole de Dieu. Et chaque fois, je gagne. Et même si que pour qu'on y ait, de temps en temps, nous faisons venir, nous faisons offrir la dimension avec vous. Et je vous dis, c'est le sixième message. Et je m'en parle prêcher le septième là. Et c'est le septième dégât pour fois ça. Et nous attendons plus tard. Et ce soir, je vais toucher les principes de paix dans un monde de troubles. Dans Psaume 37, ben, comme ça, expositoire, les principes de paix dans un monde de troubles. C'est ça, pour y asseoir. Il y en a pas quelqu'un qui m'a dit, mon 6:30, toujours féliciter nous pour discipline, non. Il y a plein de gens qui là, qui m'ont l'église, l'église a un impact positif sur nous-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas ponctuels, pas à l'heure du tout. Le fin dans l'église, ils ont fait un gros effort. Il y a des gens qui ont un retard de 30 minutes, qui ont un retard de 10 minutes, de 5 minutes. Et je ne suis pas avec eux parce qu'ils ont pas fin à l'heure, même fin avant l'heure. Il y a quelques gens, l'église n'a pas aidé. Dès qu'on vient 30 minutes de retard, qu'on a venu 45 minutes. Elle dit que eux-mêmes, ils ont fait bac. Féliciter nous-mêmes qui avons avancé. Parce que là où on vient dans l'église, ce n'est pas seulement écouter le message à Doué. C'est toute l'école que y est. Pour que vous connaissez comment vous êtes capable de discipliner. Et moi, en pile dans nous, en train dans le bâtiment, et bâtiment de discipline, de loyauté, de respect, de fidélité. Donc, c'est vraiment bien. Et il y a une discipline que vous voulez ajouter. Si les bons dieux bonnes machines, j'ai un camping machine là, ou tout mes camper. Ça entraîne dans la discipline là tout. Même devant portail, où on va mettre machine là camper. Et au camper camp devant portail, il y a un bagage qui passe dans le cahier là, ou besoin de sortir, l'OAS, aller pour capable de cette machine là, il va me camper, ou bloquer la situation ça. Papa, je vais me parler devant le cahier l'autre monde, devant portail l'autre monde. Ça veut dire que, les ou gomme machine on va le camper là, faut suivre est-ce que pas une ouverture là que me pour le barrer. Donc m'a parlé pour quitter vous parler mal l'église non, on dit que fidèle l'église espoir yo camper machine côté ouvrir yo bloquer porte. Non non non, son mauvaise réputation. M'a pas quoi n'a pas entrer dans ça. N'a corriger lui. Donc en non, entrer dans même bac là, la discipline dans tout domaine net. Et le ça, il y a parce que Jésus-Christ il font impact dans la vie. Et pas seulement parce que sauver non, tout domaine, dans la famille, dans le travail, il a un impact dans la vie. Nous sommes d'accord avec ça? Amen. Très bien, très bien. Si nous sommes d'accord avec ça, ça veut dire que nous avons la foi dans le bon Dieu. En noter la foi, notre bouclier contre les attaques du malin. Alors maintenant, Éphésiens chapitre 6. La foi, notre bouclier contre les attaques du malin. D'abord, j'ai plus de temps pour me prêcher, mais ma parole, c'est point une étape avec vous seulement. Ok? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Nous sommes besoin verset 16. À nos points contexte, je veux dire, nous lire en pile. Il dit, au reste, allez là, fortifiez-vous, dans le Seigneur, et par sa force, qui ça, tout puissant, bien ça avec moi. Là, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui monde? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi, ça vous fait, prenez toutes les armes de Dieu pour raison, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça vous fait. Tenez donc ferme, ça vous gagne, ayez à vos reins la vérité pour cette chose. Qui s'encore? Revêtez la cuirasse de la justice. Qui s'encore? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Encore? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. La foi en Dieu, notre bouclier. Notre bouclier contre les attaques du malin.
Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul citait plusieurs âmes spirituelles. Environ 6 comme ça. Peut-être préparer la prière. Il dit que faut que nous gagnions des âmes saillants. Faut que nous habillions avec des âmes saillants pour être capable de gagner victoire sur les démons. Victoire sur le diable. Les âmes saillants divisées en deux parties. Trois premiers âmes, c'est la ceinture, la cuirasse et les chaussures. Les âmes saillants, nous devons porter de façon permanente. Bah, je m'en gâte même, parce que bataille là, il y a une longue durée. Bah, je m'en gâte. Mais l'autre trois, il y a une là. Le bouclier, l'épée et le casque. Il y a même où qu'à déposer l'elgo à calmer dans la guerre. Et parmi trois derniers, le bouclier de la foi, c'est le gâte. C'est-à-dire que si ou pour avoir une victoire sur Satan, ou pour avoir une bataille là, faut ou pour un bouclier la foi ou bien ils sont même. Mais soldats romains, il y a deux types de boucliers que vous portez. Premier, c'est un petit bouclier ou rond. Vous utilisez les surtout pour parer coup adversaire. Parer coup, bateau point coup. Ce n'est pas type ça. Paul t'a parlé là, la veille ça. Type de bouclier Paul t'a parlé là, c'est gros bouclier qui fait en rectangle. Et puis, il y a un gros morceau planche là-dedans, et il y a un métal là-dedans, il y a un cuir là-dedans. Et soldat romain, c'est avec gros bouclier ça, vous faites deux bagailles. Un, pour qu'il dévier flèche ennemie, voyez à côté. Et puis, deux, le fait que flèche là dans pointe li, il va écrire les points, qu'on a que il gagne du feu là-dedans pour qu'atteigne du feu là, l'évin joindre. Tenez bien. Avec bouclier de la foi, un, ou ap dévier flèche Satan, deux, du feu là, qu'ap sorti dans pointe flèche là ou tel. C'est ça exactement, bon, je vais nous faire avec la foi que Benoît. On nous regarde avec moi, comment on pourra faire ça? On va traverser trois étapes. D'abord, on va noter ça, que nous, la réalité de notre foi. Est-ce que foi nous réelle? Deux, on va regarder le rôle de notre foi. Qui ça, foi nous entier peut être fait? Et puis, trois, on va regarder résultat foi. D'abord, noter la réalité de notre foi. Pour que foi nous capable de bouclier contre les attaques du diable, foi ça doit être réel, foi ça doit être vrai. Foi ça doit être authentique. C'est-à-dire que ce n'est pas une fausse foi que lié. Il y a trois personnes qui sont croyants dans mon Dieu. Et puis là, il y a un problème, ou est-ce qu'ils ont levé courir. Les gens qui ont échoué pour que merci pour qu'ils ont. Parce que foi n'est pas réel. On nous met bien simple. On nous voit quelques plongeurs qui montent hélicoptère, qui montent avion, les avions presque atterri. Ils disent que ils n'ont pas attaqué l'avion, ils n'ont pas descendu avec parachute. Elle dit que, on nous prend 5 messieurs comme ça, ils ont monté. Pour la descendre, avant de descendre, ils pèsent 10 boutons, ils pèsent là, et puis elle a ouvert, et puis ils descendent sans problème. On nous prend 2 autres nègres, fait un bagage là, 4e nègre là, fait un bagage là, mais 5e nègre là, lui-même, monsieur descend sans pas ouvrir parachute là. Ça passe à monsieur Connaît, monsieur mourir. Il connaît pour que yo te mette foi dans parachute là pour atterrir avec yo correctement, mais là que foi pas correct, c'est vrai qu'on connaît comme doit mais ou pas peser bouton ou pas ouvrir. Et ça fait que en pile monde yo se croit dans bon Dieu, yo se converti et puis yo périt très mal et puis en enfer parce que foi yo qui dans bon Dieu pas réel. Mais pasteur Saint-Ange, comment qu'avait connaît que foi réel? Pour qu'on ait si fort, il y a 4 bagages qui doivent être en bail. D'abord, ça, son objet. Donc, la vraie foi a pour objet Dieu. On dit ça, non? Si on dit moins, objet foi, c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Si on mettait foi moins, dans n'importe quel bagage, que Dieu n'a pas gagné la foi biblique. Et foi sans gagner, est inutile, il sans valeur. Écrit, l'auteur de l'épître aux Hébreux,
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un seul bagage pour du plaisir, c'est foi ou en lui-même. Et Jésus-Christ, après le fond, il y a une déclaration. Comme il dit que moi, je crois dans mon Dieu, moi, je crois, moi, je suis sauvé. Christ dit non. Il va dire que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui m'en dit? Toi, qui m'en le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre sens, foi, puis réel, puis vrai, puis authentique, objet libre qui m'en bon Dieu à travers Jésus-Christ. Si je crois dans la tête, moi, il va avoir foi. Si je crois dans la foi, moi, il va avoir foi. Si je veux l'optimisme aveugle, aussi que je peux répéter une parole, je dis que je ne suis pas malade, il y a un bon visa, et puis je répète, et ça ne va pas dire absolument rien parce que c'est mon moins que moi. Numéro 2, sa base. Pour moi, si foi réel, nous sommes objet de c'est bon Dieu, mais sa base. Et quand je me trouve samedi, je crois là-dedans. Comme tu veux dire, ah, mais la base de la foi réelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et puis dans Proverbe chapitre 30, verset 5, là, il dit que tout ça, la Bible dit, c'est oui et amen, pas ajouter là-dedans. Et si vous croyez dans tel bagage, ou pas croyez dans tel bagage, et pas de connaissance moins, et pas de l'école moins m'apprendre, non, c'est ça, bon Dieu dit dans la parole. Donc, foi réelle, c'est elle basée sur la parole de Dieu. Foi réelle, c'est elle basée sur les promesses de Dieu. M'a fait ceci, m'a fait cela, parce que Dieu dit non. M'a fait ça, parce que Dieu dit oui. Eh bien, laissez qu'on sa foi mieux irréelle. Est-ce que, basse foi moins, c'est la parole de Dieu. Et ça fait que, bon Dieu après le dit, dans Hébreu 11, verset 1er, il dit que, oh, la foi, ça lié est une ferme, qui ça? Assurance, qui ça quoi? Des choses qu'on espère, qui ça quoi? Une démonstration, qui ça? De celles qu'on ne voit pas. Il y a un message que m'écrit Magad Apocheli. Là, il montre que la foi voit l'invisible. La foi comprend les compréhensibles. Aussi, la foi, il y a un bagage la foi touchée sans le même mouel. Viens faire dans Hébreu, ma bonne bagaille. Dans Hébreu, chapitre 13. Dans Hébreu, chapitre 13, et regardez ça, après elle parlait d'un groupe de monsieur, dames, qui ont cru dans bon Dieu, et puis bon Dieu n'a pas parlé hautement de eux-mêmes. Dans Hébreu, chapitre 11, dans verset 13 ans, après il finit une déclaration sur la foi, et il dit comme ça que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais il les a vues et salués comme un petit de loin. Alléluia. Yo pas arrivé, non. Mais yo salué yo de loin. Et ça la foi. Base la foi. C'est la parole de Dieu. Donc, si votre foi est basée sur sa bonne Dieu dit. C'est vrai foi que lié. Si foi ou il basé sur 100 sous, 500 sous, foi pas correct. Si foi ou il basé sur le sens de discernement que vous gagnez seulement, il pas correct. Si foi ou il basé comme base la parole de Dieu, les promesses de Dieu, foi que vous gagnez, il pas en foi authentique, il pas en foi réel, il pas qu'un beau. Là on a problème. Troisième bagage que vous connaissez, foi réel. Non seulement son objet, sa base, mais ses convictions. La foi réelle, il ka kembe parole li. La foi réelle, il kembe rete ferme, même les qui fait face à problème, difficulté, tribulation, persécution, la foi réelle, au lieu affaibli, il vient plus forte que jamais. Ça, c'est là, nous vivons parfois dans l'église haïtienne. Les haïtiens, parfois, ils veulent kembe bon Dieu avec yon main. L'autre main au Québec, ça ouvre. La foi réelle, il qui est bon avec deux mains. Ils ne font pas. Et, je vais vous montrer ça. Je me dis, mais est-ce que tu
pas possible pour mon membre l'église. Il moun ça ici converti, moun ça dit baptisé, puis moun ça parce que ti moun ni malade, parce qu'il y a une difficulté, moun ça arrivé la kaboko, moun ça fait bagaille qui terrible pour que son foi pas réel, une foi réel, il était ferme quel que soit circonstance, quelque soit situation. Parce que c'est un mais ou pas comprendre si ce que me là-dedans qui est mon bagage. M'a porte deux trois exemples. Numéro 1. Les trois jeunes hébreux. Dans le dernier chapitre 3, ils ont dit, monsieur, que si nous pas adoré statue, hein, ça nous va faire, nous pouvons la go dans la fournaise, nous pouvons le détruire ou tirer où. Ça aussi. Ils ont dit, notre bon Dieu nous, qu'a délivré nous. Et s'il choisit de vivre à délivrer nous, nous pas adoré statue, parce que je dis non. La foi réelle, il y a des convictions. Daniel, il dit que, pas prier aucun autre Dieu excepté moi. Daniel dit non, non, non. Vous avez prié lui, et trois fois par jour, dès que vous avez prié, vous la gagné dans la force au lion. Il dit que, ou mettre la gagné dans la force au lion, m'a fait exactement ça, bon Dieu, tu me fais. On prend Pierre-Jean, dans Acte chapitre 4, il dit que, monsieur, est-ce que nous battons comme ça que, pas prêcher, non, non, aucun autre monde même, pas faire ça, non, non, Jésus-Christ, pas faire comme ça. Pierre dit, monsieur, qui est-ce mon pays? Bon Dieu, ou bien nous-mêmes, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de dire, sans me dire ouais et sans me détendre. Viens faire maintenant Hébreux chapitre 11, c'est pour vous bagaille, bien vite. Hébreux chapitre 11, je vais vous faire 32. Je vais vous montrer, je vais vous bien pour est-ce que vous avez un point de bon Dieu? Et puis parce que vous avez une difficulté, et puis vous changez la façon de vivre. Dans Hébreux chapitre 11, on commence à verset 32, ok? On nous lit ça avec moi, ça dit. Et que dirige encore? Car le temps me manquerait pour parler de Kimon, de Gédéon, de Kimon encore, de Barak, de Kimon, de Samson, de Kimon, de Jephthé, de Kimon, de David, de Samuel et des prophètes. Qui, par qui ça, par qui ça? Par la foi, ça vous fait vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions, éteignir la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de la maladie, fuir vaillant à la guerre, mettre en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent la mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance pour raison afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il dit, d'autres subirent qui ça? Les moqueries. Et qui ça encore? Et le fouet. Qui ça encore? Les chaînes. Qui ça encore? La prison. Il fut qui ça? Lapidé. Qui ça encore? Scié. Qui ça encore? Torturé. Qui ça encore? Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nom à la perfection. On m'a tué, même à cause du service bon Dieu. La vraie foi, qui m'a conviction, il dit que m'a pas fait. Non pas. La vraie foi, conviction lit, basée sur la parole de Dieu. Avec que persécution, tribulation, pas tenir la vraie foi. Au contraire, tribulation, persécution, vraie foi, il grandit. La vraie foi, il croit que bon Dieu existait. Il croit que bon Dieu c'est l'auteur de la Bible. Il croit pleinement et inconditionnellement en Dieu et en sa parole. La vraie foi. Il pas poser question ni chercher des explications. Laissez bon Dieu qui dit bagaille. Oui et amen. La vraie foi, ça. Est-ce que mieux vraie foi? Un, qui objet fort là? C'est bon Dieu. Deux, qui base? Est-ce que la parole de Dieu pour bon Dieu? Trois, qui conviction qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne? Et puis quatre, son compagnon. Sa compagne. Qui sa marche avec la foi? Vous bien, go bagaille. Qui ne peut pas gagner ça? Qui compagnon ou bien compagne qui par exemple qui était la vraie foi? Réponds-moi, qui ça y est? Qui ça
qui toujours marché avec la vraie foi qui s'allie? Qui ça toujours marché avec la vraie foi qui s'allie? L'obéissance. Obéis quoi? L'obéissance. Frère Samyo, depuis la vraie foi, yon côté, obéissance, si m'a venu. Et c'est le seul moyen pour me vérifier est-ce que je vois ça correct? Est-ce que je vois le faire? Donc, la Bible dit comme ça que Abraham, il m'a dit quoi dans mon Dieu, pour dire qu'il est pays, il fait. Et puis, chaque dit comme ça que, où tu as la foi? Et pour que tu sois posé des actes pour que tu aies la foi, pour que tu sois obéi, il dit que, moi, je vois obéi, moi, tu que c'est foi qui fait obéir. Donc, la vraie foi, il y a un compagnon, il y a un compagnon qui ne va jamais la gueule, il y a une obéissance. Et si je vois le dire comme ça que, moi, je crois dans je vois montrer ça par obéissance, moi. Il y a un bagage qui fait que moi avec nous obligatoirement dans le monde ça, nous n'avons aucun autre monde pour nous laguer la vie nous dans le monde, c'est bon Dieu. Qui s'allie? Moi avec vous, on est campé dans 8-18 là, sur la place, on garde une parade. Ok? Elle avec moi. On garde une parade là. Mais il y a une chose dans la lettre L là. Et il y a viré dans 18 là. Descend. Mais c'est plusieurs écoles la ville là qui viennent avec Fanfayo. Et puis nous campé là. Il nous dit, oh, ça, en forme. On l'a vini dit, ça, pi bon. On l'a vini, ah, ça, bon, même. Et puis, mais il faut que nous tenions chaque fois qu'il y a un groupe qui vient pour nous connaître si bon ou si pas bon. Mais, bon Dieu, pas besoin de camper dans le coin là, non. Il voit tout parade depuis qu'on fait commencer. Depuis qu'on fait commencer, du commencement à la fin, il voit tout parade là. Écoutez bien, le fait que moi-même, femme, je suis venu, mais les gens qui connaissent tout le bagage là, même avant que l'ouelle là, écoutez, on a blagué dans la main. Ma blague dans la main. Il est parade là, il cabaye notre moi-même avant même que vous allez. C'est ça la foyer. C'est l'ago dans ma moune qui connaît tout ça qui va arriver. Et l'ago dans ma moune qui est tout puissant ça. L'ago dans ma moune qui a pensé pour même. Donc c'est ça la foi. Et pour voir vrai, faut objet c'est bon Dieu. Pour voir vrai, faut baser ça c'est la parole de Dieu. Pour voir vrai, faut que il y ait conviction, il va changer. Pour voir vrai, faut que mon Dieu dit quoi, obéit après. Mon Dieu voulait à ce que pour la guerre nous en mêler parce qu'il y a quelqu'un qui nous en bat tomber. Ça c'est la réalité de la foi. Mais parce que si c'est intéressant comme ça, quel est le rôle de la foi? Nous avons avec moi quatre rôles de la foi. Quel est le rôle de la foi? La foi, c'est très intéressant pour comprendre ça. D'abord, notez son rôle salvateur. Son rôle salvateur. Dans le sens, pour me sauver, il faut me croire dans mon Dieu. Pas bon rien de monde qui vient dans le ciel là, s'il ne pas croire dans Jésus-Christ. Pour ça, c'est ça qui fait que nous venons commun. Nous venons on va qui nous tout ensemble. Parce qu'on est qui monde qu'on est, il y a une seule façon pour me sauver, c'est par la foi. Le juste vivra par qui ça, par la foi. Et Paul, il a écrit aux chrétiens d'Éphèse, il dit que c'est par la grâce qui ça, que vous êtes sauvés. Par qui ça? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Ça veut dire. Si je ne crois pas dans mon Dieu, je suis perdu. Vous savez ce oh, des religieux pas bonnes, pas baquettes après dans l'enfer. Parce que le principe simple, pour aller dans le ciel, il faut croire dans Christ et dans Christ seul. Je vais dire, well, c'est vrai, mais avec effort, je vais aller dans le ciel. Si je seulement, je vais aller dans le service, je vais aller dans le ciel, ou je vais aller dans l'enfer avec le service. Si seulement, je vais aller dire régulièrement, je vais aller dans le ciel, vous êtes bien, avec tout petit mouillot pour aller dans l'enfer. Si seulement m'observer le sabbat sans problème ou pour aller dans l'enfer avec sabbat là. Si seulement me fait un pile bonne œuvre, un pile charité ou pour aller dans l'enfer avec ni bonne œuvre ou charité. Si seulement me fait baptiser, me pour aller dans l'enfer parce que me tout baptisé. Parce que me gon bagaille que me rejeté. Il y a un principe indispensable. Il y a un principe de Dieu que seulement il peut me sauver et par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi seul et rien d'autre. Ne vous pas accepter ça. Parce que vous avez combien de fait dans l'église. Voilà. Ah, c'est le rôle salvateur de la foi. Au numéro 2, son rôle protecteur. Son rôle protecteur. Ça, nous donnons un texte, ça, nous avons voté l'italien. Il dit,
prenez par-dessus tout cela, qui s'est dit, le bouclier de la foi, avec lequel, sans bras fin, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est le rôle protecteur de la foi. Et là, ma côté, quatre bagages bien vite. Numéro 1, la foi nous protège contre les tentations du diable. Si nous avons une victoire sur le diable, si nous avons une victoire sur l'impureté, sur l'égoïsme, sur le doute, sur la déception, sur remet l'argent, sur l'envie, la jalousie, comme bagaille qui a baillé demain, c'est la foi en Dieu et la vraie foi. Parce que, écoutez bien, Christ a une victoire sur Satan. Ça a été fait. Il a cité, il a utilisé la parole de Dieu. Ève échoué pour raison. Ève quoi dans le mensonge Satan. Donc, nous après suivre Christ, si nous voulons une victoire sur la tentation, nous devons gagner foi entière. Numéro 2, la foi nous protège contre les tribulations et les adversités. La foi nous protège contre les adversités et les tribulations. C'est moi qui vous ai bien. Si vous avez qui nuit nous, c'est là que vous n'avez pas de problème grave qui vient nous sans battre le matin. Et puis, vous finissez une après l'autre. Si vous avez qui a qu'un beau, rete ferme, c'est fort en bon Dieu. Pas gagné encore. Nous prenons par exemple Job. La Bible dit que monsieur intègre, on est sérieux, car c'est bon Dieu. La Bible dit non, seul jour, monsieur a perdu toutes 10 petites lions. Nous, seul jour, il a perdu toutes ses vidéos et ses lions. Nous, seul jour, il a perdu toutes ses animaux honnêtes. Et plus tard, il peut avoir une santé. Et plus tard, madame, il peut courir dans le lit. Mais Job répétait-le. Il dit, bah ouais, si mon yo côté yo parti, bah bien yo côté yo parti, bah serviteur yo côté yo parti. Il dit, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, mes amis, seulement un monde qui a une vraie foi entière capable de dire ça. Et où qu'a dit tout, même si on seul petit, il arrivait à mourir, si on prenait tout bon, il ne faut pas qu'il y ait des choses, c'est bon, Dieu qui te bamne, et personne ne va faire. Pizza rien, si vous ne pas mettre ça, et s'il porte pour l'éternité, que nom bon Dieu a béni, seule la foi entière qui fait ça. Rien encore, l'apôtre Paul, il avait pris deux Corinthiens, il fit une vision, connaît que il est allé dans le troisième ciel, et le paradis, connaît bon Dieu, et puis bon Dieu permet Satan, bat Paul en soufflette, pour empêcher Paul, il est orgueil, et Paul, qui a souffert avec problème ça, Paul priait. Il dit, bon Dieu, s'il vous plaît, délivrez-moi de ça. Il a dit ça que trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit que ça, ma grâce que ça, te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans qui ça, dans les faiblesses, dans qui ça, dans les outrages, dans qui ça, dans la calamité, dans qui ça, dans les persécutions, dans qui ça, dans les détresses, pour Christ, pour Christ. Quand je suis faible, est alors que je suis fort. Soulire. Pensez ou qu'à compter déjà et ça on les pilgrims progress le progrès du pèlerin qui racontait histoire alors cap montrer ou comment besoin force qui sort qui mon goyer et yon chrétien cap goumé avec un dragon yon goumé pendant bon temps yon pas capable l'autre dragon représente Satan goumé yon pas capable battre l'autre et puis à la fin chrétien faible dragon fesse la terre. Et puis il a campé sous lui. Et puis il a pris victoire, victoire. Et puis chrétien à terre, il dit Seigneur, bon force donc pour me battre l'ennemi. Et pendant chrétien à terre, mon Dieu fortifie lui, ton cousin dans Esaïe 40, il fortifie lui, et puis il chavire de la terre, il fait ses terre, et puis il campe sous lui, dit ennemi moi, paris sous moi. L'homme l'aime plus faible là, il l'aime pas plus fort. Et ni moi, paris sous moi, l'homme échoue, pas réussi encore. Et ni moi, paris sous moi, l'aime tomber, je ne pas encore. Parce que moi, observer ce bon Dieu qu'il y a. Seule la foi entière capable de kembe ou comme ça. Personne pas qu'à aider vous si vous ne connaissez pas bon Dieu ça. Et vous connaissez tout bon. La foi, numéro 3, nous protège contre le découragement et l'échec.
C'est le rôle protecteur de la foi. Il va seulement protéger nous contre les tentations du diable. Il va seulement protéger nous contre tribulation et adversité. Mais la foi nous protège contre le découragement et l'échec. Oh, si grand bagaille qui fait moral nous descend plus bas que jamais, c'est échec. L'on échoué. Ou qu'on complète des féorités qui viennent nuire ou. Et l'on échoué. Ou veut venir décourager. Oh, le découragement, les rivés, y annoncer la dépression. Et les ou déprimés. Ou pas faire toutes sortes de bêtises qui gagnent. Seule la foi qui a aidé ou. Le prophète Élie tellement découragé. Il était pensé qu'il échoué. Il va faire que Akab tourne vers bon Dieu. Et que Père Israël a tourné vers bon Dieu. Akab t'es senti que non. Élie était pensé qu'il échoué. Et je suis déprimé. Je m'en dis la mort. Seule la foi en Dieu te kembe pour faire la comme ça. Paul, non, deuxième tour de missionnaire, Paul, t'es au disant découragé. Paul passe Philippe, yo mette en prison. Paul allait Thessalonique, yo passe d'Ali. Paul allait Béré, yo commence à écouter lui, yo couille d'Ali. Paul allait Athènes, yo rili, yo dit blablabla. Les Paul, il fait correct, yo mette Dieu dans cette synagogue là. Paul vit au moment il découragé. Seule la foi en Dieu, t'es que Paul ferme. Frère Somio, Zemoyo, ou qui yon bagay, ou qui yon bagay ka aide ou, fait face à la situation sa yo, la foi en Dieu. Femme yon a bon Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, viens avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et gardez pour ça, Paul Paul dit, ou pas qu'ils sont pour décourager pour situation ça. Reprendre force ou. Reprendre force ou. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul a parlé, verset 11 a continué, pas prêté dans verset 11 non. Mais Paul dit dans verset 13 ans, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi qui ça? J'ai parlé. Nous aussi qui ça? Nous croyons. Et c'est pourquoi? C'est pour cela que nous parlons. Verset 16 ans. Et c'est pourquoi non ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous qui ça, au-delà de toutes mesures qui ça, un poids éternel de gloire. Pour qu'ils ont, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont qui ça, invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La foi. Connectez-nous avec bagaille invisible, bagaille éternelle. Et bien fait, la foi nous protège contre les manques et la pauvreté. C'est le rôle protecteur de la foi. Il protège nous contre les manques. Vous connaissez Satan extrêmement intelligent, mais ça le fait. Dans l'Amérique du Nord, en Europe, comme là, pays où gens plus ou moins avancés, ils sont vraiment riches. Il n'a pas qu'à utiliser la pauvreté. Il utilise la richesse. Il ferme les yeux pour dire que je tellement gagné comme je besoin de bon Dieu. Je tout le bagage que je besoin. Je suffisant pour capturer l'humanisme clair dans ce pays. L'homme est suffisant, il n'a pas besoin de bon Dieu. Mais dans le pays tiers mondial, dans Haïti, Satan se sert avec la pauvreté. Le manque, pour commencer à garder, mais si bon Dieu même tout bon, si je sauve tout bon, mais pour qui ça, je n'ai pas assez, mais pour qui ça, mes amis, attention, c'est le piège du diable. C'est que bon Dieu qui sauve là, il capte soin ou, quelle que soit la situation, ou besoin seulement croire dans bon Dieu ça. Bon Dieu fidèle, il a fait. Il y a un bagage que je te dis, matin, ou qu'on a acheté quelques bagages qui ont puissance, mais puissance aussi dans la batterie. Ou bien on plogue. Suivez de près. L'acheter et on radio par exemple. Si il fait, il vient avec toute batterie là-dedans, radio vient avec toute puissance là. Mais toute bagaille comme ça, ou bien puissance, ou bien pour connecter, ou bien une batterie, il vient avec l'autre bagaille. Un petit bouton qui marque on ou bien off. Ouvrir, mieux fermer. Si par exemple, on achète une radio, il y a une batterie là-dedans, ou bien on plogue, il dit bon, mon chien. Pasteur, c'est un peu prêcher à 1 heure, je ne vais pas arrêter le service, il était bâti déjà, et puis là, 1 heure, je vais mettre la radio à on, je vais m'ouvrir lui, et puis, mais côté pasteur de jour, je vais faire un homme crasé. Question, est-ce que la radio a une puissance? Oui. Est-ce qu'elle va bon? Oui. Qui est le problème que j'ai moi-même? Je ne vais pas mettre on, je ne vais pas ouvrir. Pour le chrétien,
C'est ça la foyer. Bon Dieu, bon, toute puissance là, mettez-le en. Pour connaître avec mon Dieu. Pour que toute puissance ça dans vous-même. Suspendre, plaigner, suspendre, pas capable, mettez-le en. On court à craindre tout bateau, mais il est capable. Si bon Dieu sauve vous, il pourra aller avec vous dans le ciel. Pas de rien matériel qui est pas capable. Pas de rien physique qui est pas capable. Ou seulement un problème. Ou qu'un pays off ou paf. J'aime vous faire. Et ça la foi. Numéro 3, son rôle salvateur, son rôle protecteur, son rôle pourvoyeur. Son rôle pourvoyeur. La foi gagne pour rôle. Pouvoir, monsieur Nio, avec la foi, nous sommes capables de toucher l'invisible, avec la foi, nous sommes capables de comprendre l'incompréhensible, avec la foi, pas gagner, bon Dieu, voulait, moi, je ne vais pas faire, pas gagner, bon Dieu, je ne vais pas comprendre, parce que je crois dans bon Dieu. Et, ouais, regardez bien, je vais vous dire que je ne vais pas faire, mais ce que je vais faire, crois dans moi. Qui est-ce que je vais lire un texte avec moi, le psaume 34, viens là avec moi. Psaume 34, viens là. Je vais vous montrer tout le livre, c'est ça. Psaume 34, je vais vous montrer ce que le psalmiste a dit. Et puis nous avons perdu parce que nous manquons quoi dans le bon Dieu. Nous voulons pour nous servir bon Dieu avec 5 et 6 noms pour dire que je ne suis pas trouvé, je ne suis pas quoi. Non, 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 non. Et pas comme ça, vous servez bon Dieu. Bon Dieu dit là, oui et amen. Non, Psaume 34, viens là avec moi. Je vais vous montrer tout le livre. Je vais vous montrer plusieurs versets. Commencez dans le verset et en 5 là. Il dit que j'ai cherché qu'ils ont, ouais, l'Éternel et ça m'a fait et il m'a dit ça répondu très bien verset il m'a dit ça délivré de toutes mes frayeurs verset 6 quand on tourne vers lui les regards s'abaissent on est rayonnant de qu'ça de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie ça passe l'Éternel entend et ça le fait et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui qui sent son refuge. Craignez l'Éternel, vous, cessez vos raisons, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous pouvez faire ça. Craignez l'Éternel, vous, cessez vos raisons, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien? Ne sont privés d'aucun bien. C'est la parole de Dieu. Acceptez comme vrai. Parfois, on connaît quelques situations que bon Dieu parle ou connaît. Seulement parce qu'on a un on va mettre en. Vous êtes capable de belle musique. Tout paraît disponible. Les bons Dieu finissent sauver où ils ont foi dans lui-même. Ils ont fait que mon Dieu a parlé, il dit écoutez bien. Est-ce que si garçon n'a mandé un pain, ou un bain roche? Non. Est-ce que si garçon n'a mandé un poisson, ou un couleuvre? Non. Il dit bon, viens où qui vous fait bon bagaille. Ou plein péché dans la voie. Et moi qui bon Dieu, moi parfait, parfait. Moi, écoutez, moi parfait, en bonté, parfait, en sagesse, parfait, en douceur, parfait, en tout bagaille. Et puis, on dit que je ne suis pas capable de ce petit point. Ou pas quand même. Ça fait Jacques, il besoin exhorter les juifs qui étaient antigens tout partout. Il dit bien, la prière de la foi gagne une grande efficacité. Il dit que Élie, son homme connu, il dit qu'un corps, il dit qu'un sang, Élie était prié bon Dieu, et que la vie tombait pendant 3 ans, 6 mois. Après il priait, la vie tombait. Est-ce que nous ne pouvons pas croire dans le même bon Dieu ça? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Et puis, non seulement son rôle salvateur, son rôle protecteur, son rôle pourvoyeur, tout à fait, pour ça, son rôle vainqueur. Son rôle vainqueur. Et ma prête aujourd'hui, les hommes qui te moun pour tête yo, avec paquet de bagages droite et gauche.
Que pour gagner victoire, faut relever courir. Pour gagner victoire, faut gouler la terre. Pour gagner victoire, faut capable faire veille de nuit chaque jour. Pour gagner victoire, et va comme ça la Bible dit non. Pour qui ça que nous victoire sur Satan, sur le monde, sur toute bagaille, on gagne mal. Qui ça les connaît? Qui ça les connaît? Et pas nous petit. Qui ça lié? La foi. Et quand tu verset ça, 1 Jean 5 verset 4. Viens là, dans 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4, ça que bon victoire sur toute bagaille, c'est foi nous en Dieu. Bien, les ou quoi dans tout bon, même si vous avez 10 ans comme Timon, 10 ans ou quoi dans Dieu, Satan, mais il vient avec tout démon honnête, il est même campé là, il va pas toucher pour que ça ou quoi dans Dieu. C'est ça que victoire ou 1 Jean 5 verset 4. Dans 1 Jean 5 verset 4, vous voyez ça dit, il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui dit au monde, c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? Notre foi. A tes mounes fort font pas qu'elle joujoute. Est-ce que vous connaissez bon Dieu? Est-ce que vous connaissez bon Dieu? Je n'ai pas besoin de côté un tel, côté personne, côté mieux, dans la chair, dans le désert, dans le monde, dans la mer. Les mounes, les bon Dieu, ils ont des mounes. Parce que foi, moi, c'est la victoire. C'est le rôle vainqueur de la foi. Vous connaissez, il y en a un qui m'a regardé. Seule la foi qui a bonne victoire dans cette situation qui nous est. On y est encore. Ça fait Paul dans Romains 8. Et puis il dit comme ça. Qui est capable? C'est pas nous avec bon Dieu. Et puis il cite. Il dit angoisse? Non. Tribulation? Non. Persécution? Non. L'épée? Non. Prison? Non. Il dit, mais pour qu'est-ce? Il dit, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a une plus belle musique qui jamais créée que les Alléluia, Dieu merci. Parce que Jérôme fait quoi la chanter? Et si je me dégage, je vais chanter pour même. Alléluia. Non, je ne vais pas pour ça. Si je dégage ce temps-là, je vais faire toute voix honnête pour chanter. Et il y en a un co-discipline, il y a un Américain blanc. Je dis moi ça que si il y a un green chant, il y a chanté dans ce qu'il y a encore. C'est Alléluia, Dieu merci. Il chante tellement belle. Mais mon Dieu écrit là, monsieur, George Frederick Handel. Ça veut dire Alléluia de Handel. Qui l'aime j'ai écrit chant ça? C'est mon bouton, la victoire de la foi. C'est là, monsieur, santé, monsieur, j'ai perdu santé. Ils ont parti dans comme monsieur, tout en bonnet parler, c'est pas qu'à faire avec lui. Monsieur vient sans corps, barré comme même. Et mon monsieur Douéo voulait mener dans la prison. Et puis j'ai couché, il a pensé, et puis c'est là ça écrit Alléluia, Alléluia, bon Dieu m'a servi, pas gagné, il va faire. Alléluia, oui, m'a servi, il a pensé, c'est dans le moment ça. Seule la foi entière qui a fait un homme couché, malade, plein d'être, pour être capable de dire Alléluia. Seigneur, ou bien victoire déjà, ouvrir la Dieu. Notre fin, les résultats de la foi. Résultats de la foi. La foi réelle, il non seulement fait me connaître le salut, la foi réelle, il non seulement fait me protéger, la foi réelle, il fait me toucher les bienfaits de Dieu, la foi réelle, il fait aller triompher du diable et du monde. Mais la foi réelle, bon Dieu fait deux bagailles. Deux bagailles. Niveau 1. Bon Dieu approuve. Bon Dieu dit, c'est bien. Bon Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Bon Dieu dit, c'est bien. Et message que m'a prêché dans Hébreux chapitre 11, c'est ça, c'est licence ça. Parce que bon Dieu dit que foi où il est agréable à moi. Il était possible pour faire bon Dieu plaisir sous pas quoi. Et ça fait que la Bible dit que bon Dieu garde foi à Abel là, il dit très bien. Bon Dieu, il garde foi et Enoch là, il dit très bien. Bon Dieu, garde foi et Noé, il dit très bien. Bon Dieu, garde foi à Abraham là, il dit très bien. Bon Dieu prend plaisir dans la foi de Job. Il dit Satan, m'de tout que nous qui connaissons même si on a un gros problème, ils ne font pas. Hein?
Mon Dieu, gardez foi, toi, jeune Hébreu, dit très bien. Mon Dieu, gardez foi, Daniel, dit très bien. Au contraire, mon Dieu prend gloire dans la foi de ces hommes. Foi, nous, il y en a un premier résultat, il trouvait approbation de Dieu. Bon Dieu dit, oh femme, très bien. Et en plus de ça, bon deuxième résultat, c'est bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui me font, non, pourquoi ça me prêche, mais ça c'est pour du temps examiner la vous. Est-ce que faut réel? Et si faut réel, est-ce que ou mettez le on, est-ce qu'on ouvre le pour que ça bon Dieu veut faire avec quoi faire? Dans le psaume 119, il pourra le présenter. Il dit heureux. Et bien, il dit monde qui était attaché à bon Dieu, monde qui croit dans la parole de bon Dieu, monde qui fait ça par le bon Dieu. Dans le sens, il dit que monde qui croit dans bon Dieu, béni. Heureux signifie béni. Dans le sens, ça, c'est bénédiction matérielle, une bénédiction spirituelle, une bénédiction éternelle, parce que je crois dans bon Dieu, béni. Mais vous connaissez que, en plus de bénédiction spirituelle, en plus de bénédiction éternelle, bon Dieu, bye, bénédiction matérielle, bénédiction physique, à monde qui croit dans lui-même. Je dis ça bien. Il y a des choses qui ont été réalisées, parce qu'on ne peut pas croire que tout le monde va réaliser. Et quand tu es bon de ta vloye, parce que tu n'as pas de tout le monde ou pas comme ça. Je ne pas dit ou y a un problème, c'est parce que tu n'as pas de foi. Et pas ça, je dis non. Il n'y a pas son test que lié. Mais, il y a un problème qu'on gagne. Parce que tu n'as pas de foi dans mon Dieu, il y a mis de un problème ça. Et les gens qui réussissent, je ne pas dit c'est foi ou tout le non. Il y a plein de gens qui réussissent par mon Dieu. C'est qu'il y a l'école, et puis pour une profession, vous travaillez dur, vous avez discipline, vous conservez faire, et puis vous réussissez, ce n'est pas naturel que lié. Mais bon Dieu, en plus de tout ça, il donne nos foi. Allons regarder comment il fait quelques nègres. Allons regarder ça. Viens avec maintenant Daniel, ma bonne Daniel. Comment mon Dieu bénit le monde qui croit dans les mêmes. Daniel chapitre 3. Là, on va montrer ça pour dire que bon Dieu n'a pas servi à, il prend note de foi que nous gagnons. Il prend note dans les moyens, son test que nous là-dedans, qu'on ne fait pas ce test-là, et puis il a dit non, nous gagnons ici. Ou pas qu'on voit ça? Si je vois une troisième, il ne faut pas ce test quatrième, mais il y a une troisième. Et après? Si je vois une fille, il faut un bon arrêt, mais il y a une fille. Ou quand quelqu'un est dans l'école, je ne sais pas quoi ça fait d'accord. Quelqu'un de l'école de quoi ça à la ville là, il n'est pas bon dans le sixième, il fait cinquième. Il n'est pas bon dans le cinquième, il fait quatrième. Il n'est pas bon dans le quatrième, il fait troisième. Il vient dans le réto. Réto, il n'est pas qu'il fait l'autre. Malgré qu'il fait réto, il n'est pas qu'on absolument rien. Pour quelle raison? Il n'est pas passé test. Yo. Avant que tu réussis, il faut passer test là. Faut passer test là. Quelqu'un nous lever couille pour test ça, nous fait erreur. Test ça là pour capable évaluer où la relation avec bon Dieu. Il est tout ça bon Dieu fait pour test ça. Dans le chapitre 3 verset 30, il dit que avant ça regardez, vous songez test là, négocier ça que moi-même je connais bon Dieu, j'ai conviction, on pas mettre à genoux devant statue. Vous dit amen monsieur. Bon Dieu ensemble avec yo dans fournaise. Bon Dieu délivre yo et bon Dieu fait à ce que wa font déclaration. Il dit que moi baille l'ordre pour tout le monde net parce que aucun l'ordre c'était Dieu Shadrach, Meshach et Abednego. Comme résultat matériel physique verset 30 après cela. Ça veut dire après cela, après épreuve là, après test là, après cela, le roi fit prospérer, suivez ça, prospérer Shadrach qui m'en comme, Meshach qui m'en comme, Abednego dans la province de Babylone. C'est bénédiction de la foi. Chapitre 4 là, et dans chapitre 600, verset 28, les Daniel finit par ses testants. Il dit, moi, faut me prier quand même. Il a gagné dans force au lion pour dire amen. Pour dire, allez dans force au lion avec Daniel. Écoutez que Daniel, ok, il dit, mon cher, je bien dormi. Je suis bien dormi. Qui très bon, pas aucun problème. Et puis, après, bon Dieu dit, vous avez. Ouati vous que vous voulez tout le monde dans le royaume là. Servir un seul Dieu. Dieu Daniel là qui baille valeur à monde qui croit dans lui-même. Et puis, résultat, bénédiction, verset 28 là, Daniel qui sort, prospéra.
ou à moi, prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Mon Dieu béni foi. Où sont chez Job, par exemple? Job, monsieur connaît toutes sortes de douleurs, toutes sortes de malheurs tombés sur lui-même. C'est faut dire que, monsieur, Job, mon cher, confesse ses gros péchés qu'on fait. Et puis, mon cher, va délivrer Job. Dit non, mon cher, je vais faire péché, ça va pas délivrer. Après épreuve là, Job Kande, viens Job Kande. Job Kande, après épreuve là, et ça, mon Dieu, pas le faire. Il bénit la foi. Job Kande. Job Kande, bon, c'est fini. Job Kande, remarquez dans verset 10, il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda qu'il soit le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12, et pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Mon Dieu bénit la foi de Job. Mon Dieu bénit la foi de Joseph. Il a fait toutes sortes de malheurs. Mais après, il a travaillé Tesla, il devenait le premier ministre en Égypte. Vous comprenez ça qui est intéressant, mon Dieu? Très bien. Bon Dieu connaît qui va l'épreuve au capon. Il connaît qui capacité au gagné, combien de support au gagné. Il dit qu'il va y faire dans la vie, moi, il a préparé d'avance mon capotel. Qu'est-ce qu'il faut dans la vie, ou préparé d'avance, il connaît valeur ça au cas supporté. Il garde Abraham bien dit, Abraham, moi, bien, encore une fois, moi-même, pour Isaac, alors fait qu'il y a un roi, bali comme sacrifice. C'est qui le bon Dieu qui a Abraham? C'est là où Abraham vient après entre couteau. Abraham, allez, jusqu'au bout. Mais il y a un monde, pour qu'on ait foi, c'est là où il y a Isaac, il t'a dit, ou bien, il y a un monde, pour qu'on ait foi, c'est là où il y a une route là. Et puis Isaac dit, mais pas côté, côté bête, pour sacrifier, pour dire, oh, en forme. Bon Dieu connaît un niveau de foi, nos chers amis. So, besoin, ouvrir la radio. Ouvrir. Pour qu'il y ait une connexion avec mon Dieu. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Faut-il regarder la foi où est-ce qu'elle est réelle? Et si réelle là, est-ce qu'elle on? Est-ce qu'elle ouvre? Est-ce que puissance mon Dieu nous-mêmes là? Est-ce qu'on peut utiliser elle? Dans l'histoire, je vais regarder. Et l'aime d'abgarder la réalité de la foi, rôle de la foi, résultat de la foi. Mais après, on a une petite dame qui est aveugle. Qui est aveugle. Et puis, parents étaient avec lui dans un bâtiment qui gagnait plus que 10 étages. Mais lui était dans le 10e étage là. Bâtiment prend du feu. Parents, pas là. Monsieur qui vient de teindre du feu, seul moyen, il est plus grand. Sauver petite fille qui a fait bruit en l'air, il dit lague tête li dans la fenêtre là. Monsieur a pris un mégaphone là, pompier dit petite fille, lague tête en bas, nous gagnons un panier, un filet, qui pour qui pour pas mourir. Puis là répond dans la fenêtre là, non, on pas faire ça, on peur parce que on pas ouais. Alors bête, même moi qui ouais. Non, 10e étage, je dis la tête en bas, même si moi filet, on pas capable. Aussi et bah, c'est pas quelqu'un qui est là. Puis là-bas, il est clair. Il va le filer. Monsieur, vous m'avez fait encore. Il dit, petite fille, m'dou, la guette tout en bas. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez mourir. Il répond, dit, non, je ne suis pas capable. Je peur parce que je ne suis pas. Il n'y a pas qu'à confier, puis là. Et puis, monsieur, il a entré, il a poussé mon nom, entré. Et puis, monsieur, il dit, ma chérie, la guette tout en bas, papi là, pour capon. Puis il a dit, oh, papi, c'est ta voix. Oui, ma blague de la blague de la tête. Qui dit faut-il faire? Voir ça, il connaît. Et les gens qui parlent, ils comprennent soin depuis tout petit. Ils prennent soin régulièrement. Et les gens qui parlent, ils toujours prennent soin fidèle. L'autre monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, ça va avec moi. Même qu'on voit ça. Malheureusement, pour petite ça. C'est quand on est qui prend même voir papa là. Papa, il n'a pas fait différence là. Malheureusement, petit fils, il était cagon. Papa te dit, il a pris soin de lui, il mourit quand même. Malheureusement. Et nous-mêmes, Christ a dit, c'est moi. Mettre la guéron. Et moi qui parle là,
même gain yo pas en perdu bataille. C'est moi. Moi là que moi qui parler, am fidèle, m'a jamais qui parole. C'est moi qui parler là, là que même moi, tout ça me tout c'est oui même. Est-ce que pas là que mon Dieu? Est-ce que pas là que mon Seigneur? La foi entière notre bouclier. Quand les attaques du malin. Quelles deux questions? Ah. Est-ce que la foi foi? Est-ce que vous sauvez? Si vous connaissez ou pas dans le ciel. Si vous n'avez pas foi, nous avons une invitation. Prends Christ comme sauveur Seigneur. Vous pouvez participer chez vous, passez devant. Il y a des gens qui connaissent ça, dire ça pour faire. Deux. Si vous avez foi, ça, pour qui ça? Ou perdu courage? Ou déprimé? Ou inquiété? Ou anxié? Quand c'est fort que bon Dieu pas fait ça, il dit à faire. Je ne prends pas de décision. L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'espoir du Cap Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.